Faut que je mette un campus. Bon, moi je pars Alliance, hein. Par Alliance, ouais. Par Alliance aussi, je fais faire stratégie def. 4 tours pour moi. Commencer à faire des chevaux prochain tour. Midi, s'il te plaît. Mimi. Ouais, deux secondes, c'est bon. Je vais pas partir en full push parce que ça passera pas. Je vais refaire des colons et je vais jouer un peu le push, mais sans me faire. Ah, Scale quoi, j'aurais dû prendre le général alors. Bah je peux pas enfin, il a des waves plus taxi Ah ouais, mais du coup on aurait dû te laisser juste en défense. Parce que moi avec général j'aurais pu l'imploser. Bah moi je pense qu'il faut mettre de la pression sur cette T2 hein. Ah bah, je mets de la pression mais juste bien sûr, j'ai vu les immortels. Faut pas le raser donc faut bien que je... Ah personne va raser personne à part peut-être choc sur moi mais... Comment ça? Tranquille. Ah ils ont tué presque là. Je mets un émissaire dans Wallin. Pas prendre ce que je veux actuellement. Il y a la flotte. Ouais, j'ai pris l'autre là. La guerre gratuite. Ça, ils sont deux. Ouais, le Japon il est 100% sur ton océan, Mimi. Ouais, après cela. Dev, j'ai 3 tours. J'ai le prochain tour. J'ai le petit. Vous avez pas le petit, vous? Non. Ok, non. Bah je le fais. Rien. Je fais drama. Je pense que ça a déjà été boost. J'étais parti Alliance, mais j'étais peut-être overkill, parti Alliance.
Et quoi? Je peux avoir des poneys s'il vous plaît? Ouais, je t'en vais. Merci. Histoire écrite, quelqu'un? J'ai 3 tours. T'as l'opti? Ouais. Y'a une 16 bleue qui se met dessus? Ils l'ont pas vu, non? Tantôt placer pocket. Placer pocket. Je reviens sur Nan Battle. Je te mets une ville costa. Ok. Tu vas refaire des birèmes pour mettre ouais, ou pas hein? Tu m'as dit ça, je vais refaire des birèmes. Parce que j'avais vu au début, t'avais le contrôle. Ouais, ouais, t'inquiète. Chinguetti pour Théodorin. Tiens. S'ils sont naval, je peux les limites prendre Bruxelles. Mmh. Ils sont le. Ils sont naval. Le point est naval sur Bruxelles. Ouais, mais tu sais, genre en mode je fais juste des galères un moment. J'essaie de resettle un peu, mais mon land est vraiment garbage. Hein. Il y a toujours le marais. Ingénierie, il y a quelqu'un? Pas vraiment. Là, je suis en contrefort là. Je vais faire quelques poneys aussi pour essayer de contourner l'anglais et faire chier le Japon. Ouais, carrément. Okay. Je peux faire ça aussi. Quitte à Trirel, autant essayer de les faire chier. Si tu peux raser Shinguetti sur la route, c'est pas mal. Elle est à ton adversaire direct. Ouais.
Ouais. Campus, la histoire écrite, c'est le prochain tour. C'est le prochain tour, ouais. Moi, je suis encore sur stratégie def. Ok, j'ai déjà tué un poney à l'autre. Bon, il a perdu quelques unités, check, mais bon. Alors, c'est elle un peu. Poney, s'il vous plaît. Je t'en envoie. Tu peux me les prendre. Je vais en prendre un peu, si tu peux prendre aux autres, c'est mieux. Merci. Fonction publique, j'ai 6. Et qu'un peu me le boost. Non. Je suis encore sur 34 de culture, je peux pas te le boost. Ouais, on a tous pas de culture là, à part toi. Je vais faire un petit détour théologie pour contester Nadal. Je prendrais bien un deuxième général pour aller sur le Japon après. Mais Il y en a un autre qui est passé déjà ou pas hein. Non, mais ça va aller vite. Ouais, je sais. Cure-le quand même. J'ai demandé des poneys. Ouais, c'est bon. Merci. Je suis toujours en manus activité. J'ai donné ce que j'avais, j'ai rien d'autre. Il a sus 2 CS, LDK. J'ai rien sus, moi je peux sus un truc. J'ai déjà des void chain, putain. Faut que je back hein, sur la void chain. Hein. Ouais. Ça dépend. Y'a deux marbres chez Mimi. J'ai déjà du marbre. J'ai déjà aussi. Alliance, là c'est ça le bail. Hein. Moi je suis parti dessus. Ouais, je pense. Hein. Ouais, c'est boosté par l'autre. Ingénierie. Ah, ils ont déjà tous l'alliance militaire. Ah ouais, mec.
sur histoire écrite de toi. Ouais, c'est un Vietnam et Théodora, donc la culture early forcément. Tu l'as quand toi l'âge? 4. Ouais, j'ai pas mieux. J'ai pas, j'ai 4. Tu peux le faire du coup, Mimi? Ouais. J'essaie de piller un place ou pas? T'as fait où pas toi? J'ai pas fait où. Pas de taille sur. Je fais alors. Pas de taille sur Kaguana, s'il vous plaît, je vais piller la place du théâtre. Je fais Alliance? Ouais, je fais Alliance. Il faut que toi t'ailles sur Féo. On est en train de se faire autre team. Ouais. Mais on va. Enfin, il faut que tu sois le petit, quoi, du coup. Ouais, faut qu'il soit le petit. C'est moi, il va sortir, du coup. Il a 4 tours d'Alliance que j'ai pas. Il va essayer de me trade. On a un petit peu de sous, ils en ont plus, ils ont up 1 ou 2. Ils en ont pas beaucoup en face, ils font pas beaucoup, j'ai regardé. Oh, le 50 total, Japon et Vicky. Je fais ingénierie dans 2. J'ai 2 tours Alliance. J'ai 3. Ingénierie, y'a quelqu'un? Je vais faire Alliance. Hein. Non, je veux... bah, je peux le faire en 2 si vous voulez. Mais... bah, je vais le faire, j'ai 3. En vrai, j'ai pas apprentissage, de toute façon, je peux pas avancer donc je vais le faire. Et formation militaire, y'a quelqu'un qui pourra le faire? Ça m'aiderait beaucoup sur un. Oui, je fais formation militaire, on rond fait Alliance. Ok. Je vais faire une statue de Zeus. Tu parles des poneys? Prends chez moi s'il te plaît. Ah bah moi j'en utilise. Ok, je vais prendre ceux de là, j'en reste 4. Tiens, si tu peux accepter avant la fin du tour, je vais regarder la smooth. Merci. Prochain tour Alliance. Quelqu'un a apprentissage? J'ai pas trop mine. Comment on fait les alliances? Mimi, tu veux faire avec Disto, j'imagine? Je trade avec Disto. Ouais. Je fais pas avec Lège, donc je le fais avec Disto moi. Vous les avez tous les deux prochain tour si je booste? Oui. Ok. Presque. J'ai 6 tours sans le boost. Je viens de piller une place du théâtre. Ça veut dire que je dois attendre. Cool. Ouais, je sais pas qui, mais il faudra que quelqu'un attende, ouais. Moi je peux s'il sort pas de chez lui, s'il je sort peux pas attendre. Ok. Moi je veux que le prochain tour quelqu'un m'envoie l'alliance. Bah c'est pas moi. C'est pas trop demandé. Sinon, c'est pas non plus. Je vais là-dessus, mais je sais pas si j'aurai la prochain tour. Bah, si Ronron t'y va pas, je vais pas me le faire booster. Moi, je le booste, mais je peux pas te l'envoyer parce que sinon, ça nique leur setup de trade. Ah, ok.
Et sur le long terme, on a besoin de ce setup de trade. Bon, j'ai fait prod vraiment beaucoup de poney à l'anglais, mais... J'aime bien en stat le bug. Ah bah il a bien got spawn, hein, double banane 3-2. Ayutaya. J'ai pas de CS, mais j'ai pas d'émissaire. C'est quand les arrières d'histoire? J'ai deux. Ouais, j'ai prochain là. Il me faut prochain. J'ai une truffe à donner. Donne-toi Mimi, hein, non? J'aurai bientôt une truffe. Ah, il est en 1v2 naval. Ouais. Ouais, j'essaye d'anglais, dirais de l'anglais au maximum, hein, mais. Complexe. On a des sous. Y'a... Ouais, faut garder pour les caravels. Y'a full marbre à prendre chez... Mimi. Ouais, si vous avez pas de marbre, les prenez là, je... Hein? Deal. ...400 d'armée, s'il sort sans les alliances, ça peut être terrible. Moi j'ai deux tours. Je fais au plus vite, j'ai pillé une place du théâtre. Ouais, je vais me faire piller en haut. Je vais prendre un très 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 mauvais tour. Qui fait mitter réglé, je l'envoie. Vite, vite, vite. Hein. Je l'envoie. Deal de poney les gousses, s'il te plaît. Faut que j'en prenne un, je peux en prendre deux. Il y a, une... Il y a la manie du Vietnam dans Ayutthaya. Ah, what the f... Il y a déjà quelqu'un qui l'a suivant. Tu m'envoies l'alliance en début de tour, Disto, s'il te plaît. Ouais, mais tu charges largement avant. C'est vrai. Ah, oh, mais oui, c'est un marais, putain. T'as envoyé. C'est accepté. PO2, c'est moi qui fais. Prochain, prochain. Prochain aussi. Laissez-moi les faire. Pour de vous ouais, c'est pas grand chose. Hein. Ok. C'est quand les caravelles? 3 tours là. Ok, j'ai quoi? J'ai toujours une truffe à donner. Ouais, lui, je vais la prendre, j'ai pas le temps de nettoyer les miennes. Pensez à faire toutes vos alliances. Ouais.
C'est cher. Je t'envoie l'alliance après. Envoie-moi des panneaux en même temps. Attends, je te demande, je t'envoie. Alliance scientifique. Ah, on a plus de poney. J'en ai 6. Je peux t'en donner 5. J'en prod plus après. Moi, si j'ai fait ceux pour aller au Japon là. Après, il va me voir arriver avec Shingeki quoi. Pas grand chose. Je lance l'Artemis pour l'âge d'or. Obligé de up un lancier à la con là. Un Pikman. Il me faut 40 balles. Je prends vite, 100 balles en rond. Merci. Mercenaire, on a quelqu'un dessus? Au droit divin, plonge dormant. 3 tours. 3 tours, mercenaire. Okay. Il y a un jardin à Nagoya. Ils sont attends. Peut-être les Dinaïl. Il y a Bolan qui vient de pop. C'est Dinaïl ça. Apprentissage, mécanique, quelqu'un? J'ai pas le boost d'apprentissage. J'ai pas écriture. Le boost. Écriture. La statue. Ils ont Bologne dans le bac, ok. 10 émissaires pour dans Bologne. Nous on peut avoir Mythe là. J'ai un petit point dedans. Personne peut faire apprentissage de l'Artec, tant pis. Hein. Moi je vais pouvoir le faire. Assez quand? Bientôt. Assez bientôt, je pense 2-3. Non, je veux l'Artec. Plus vite j'ai éducation, plus vite je gagne de la science. Je peux faire beaucoup plus de prévu, on n'a pas trop de gold. Hein.
Je suis en plus 10. Je suis en plus 50. En plus de vos 30. Je me fais tellement bully avec les Vogtchen là. Je vais sur salpêtre. Bonnet ronron s'il te plaît. Il y a des nets chez moi. Vietnam. Quoi? Ah non merde. Pardon, je suis tombé. J'ai vu une unité du Vietnam. Pardon. Pas très prêt pour tanker ça. Hein. Oui, ils ont trouvé les sous. Combien de temps mercenaire déjà? Prochain. Bah, j'ai au moins un ou deux hommes d'armes, les gars. Hein. C'est en mode. Ouais, moi je vais piller là. Sur Ayutthaya. Peut-être un peu grid à tout envoyer au Japon. Prochain tour, moi j'ai besoin de up hein, sur mercenaire. Moi j'ai pas encore mercenaire, mais j'ai besoin de up, c'est. Urgent. C'est ouais, ouais. C'est sûr. Ça a le truc de slam des murs cette cive ou c'est l'autre? C'est le. Non. L'autre. C'est l'autre, c'est l'autre. Ok. Le prochain tour. Je suis le seul anglais. Envoie-moi de l'argent, faut vraiment que je prenne force move. C'est une question de. Oui, on voit 800 balles. Ouais. De vie ou de vol mort. Il me faut droit divin au plus vite, faut que je change mes cartes vraiment. J'ai deux tours. Je voudrais bien récupérer Kaguana à la limite. Expli LD catch qui manque une personne qui s'est pas mise sur des sites état encore. Moi je peux pas up. T'as pas la tech. Ah, la tech c'est pas fini, un pixel. J'ai pillé 150 balles. Bien. Si vous avez besoin, prenez. Ouais, est-ce que je prends le général? Comme tu veux. Ok. Moi ça m'arrange bien d'en avoir un deuxième, je peux claquer le trébuchet, mais si t'as besoin, prends. Vas-y, vas-y, non, non, je te refuse. Je te refusais. Merci. Il y avait un régiment en face de moi. Oh. Il y a les caravels chez l'anglais. Ouais. Je vais faire le grand phare pour l'âge d'or. Ferme ma ville front. Peut-être faudra que je m'escape hein. Il est extrêmement bien le japonais là dans ce game. Ah, j'ai essayé de lui envoyer des trucs mais je pense que ça va me coûter ma mort. Ouais, moi j'ai voulu envoyer aussi mais... Bon en fait il y a des montagnes et... Ah ouais, tu te fais raser là. Il y a de grandes chances, ouais.
Ah, on a aucun front, ouais, bon, on a perdu les gars. Bah, peut-être si Mimi gagne le naval, mais... Ouais, si... ouais, il up en face le mec aussi, quoi. Ah ouais, il passe jamais sur un Japon comme ça. À part s'il y a du Rajendra ou quoi. Ah, ils font tant de sous que ça ? Ah bah, ils font des sous. Sunbro et... Ils sont en trade coastal là. Ouais, ils sont japonais, sont en trade coastal, j'ai l'impression. Bah, ils font full leur goldo pour l'instant, mais... Je peux avoir de l'argent, s'il vous plaît. Genre avant que mes unités meurent. S'il vous plaît. Ouais, je te paye le peu que j'avais. Ouais, je t'envoie ce qui me reste. Ça va être trop tard, je pense. Je viens de piller une case si tu veux. C'est ok, j'ai hop ce que je voulais. Production. Bastion. Bon. Je vais essayer de... Ouais, il va faire un samouraï, de sniper la ville japonaise. Qu'est-ce que j'aime pas jouer contre Théodora? Qu'est-ce que j'aime jouer Théodora? Il y a une compo en face quand même. Vietnam, Japon, Théodora, c'est quand même assez... Ah mais leur compo, elle est insane, hein. Et puis notre map, bon. Ouais. Moi, je peux pas, je peux rien faire hein, de mon côté. Hein. C'est je stall et je stall et je stall. Déjà les entombrés quoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Non, je sais pas trop. Je prends un peu de fer pour mon âge d'or. J'ai chopé un peu de gold. Je vais mettre un peu de pression au Vietnam, lèche pour... Ils doivent garder quelques unités chez lui, je vais essayer de piller aussi. Pas mourir tout de suite, mais bon. Ça reviendra quoi. Juste que je suis un peu défaitiste parce que je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait dans la game après quoi. Peut-être ils ont un multi-crash de co. Hein. Peut-être. Ils sont pas de sub, Malmicast. En vrai, est-ce que c'est pas l'heure du remap électrique? Pour ça, moi, les délègues, les gars. Le fameux. Après, c'est peut-être que pour les autres. J'ai 190 balles, j'ai pillé. Ouais, je te prends 100 balles. Le naval, il y a une chance qu'on le gagne ou pas? Bon, c'est un V2 et l'anglais a pu up. Juste essaye de faire au mieux. Hein. Non, mais ouais. Là, on est tous dans ce contexte-là.
Et le japonais c'est une chose pour passer là. Y'a personne qui freestyle. J'ai essayé de lui enlever le truc au japonais mais c'était vraiment une idée de merde. Hein. Je vais pouvoir piller pas mal de mines chez Chuck. Mon escape set large, je vais essayer de le faire passer au nord vers Mexico pour aller chez toi, Disto, mais faut que j'arrive à le sortir quoi. Qu'est-ce que je fais? Je suis Mitla? Ou non. Comme tu sens, si tu sens que j'ai tu peux la garder. Points, j'ai besoin de 5 points, bah non. Ouais, suis une CS à la con plutôt du coup. Mexico? Bah t'es suze? Ça a pas été suze encore. Mais il y a une Amani dedans. C'est bon, c'est suze. C'est deux tours, hein, c'est ça. Ah, c'est dans ce bord de game, je me rends compte que je ne joue plus au jeu. Je suis rouillé. Genre sévère. Sécurisé mais bon. Je vais die hein, 100%. Ouais bah ouais. Merde. Ouais, ouais c'est sûr, là le flashlight. J'ai pris quasi en pareil la dernière fois avec l'Egypte là, tu te rappelles? Ouais, ouais mais ouais c'est bizarre quoi. On a... Grande Colombie qui était avec lui là. Mais je me suis dit qu'ils auraient pas le scoop, on lui a beaucoup et du coup ça devrait aller. Ah lui au il final, a pas lui. Il fait ses hippodromes non? Tu vois, il fait des hippodromes, il est gratuit. Hein. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Ah, moi je vous ai toujours dit, c'est la cive que je déteste affronter, alors ça, on est tous d'accord. Que... Bah moi j'adore la jouer, mais à chaque fois on dit que la cive est nulle et qu'il faut pas la pique. Non, ça c'est. Oh, bon, y'a une personne qui dit ça. Je suis d'accord avec vous, mais du coup en live, à chaque fois que je le propose. Vraiment, on l'a trouvé terrifiant de cette cive. Bah c'est une des meilleures cives du jeu. Hein. T'as un scaling militaire infini avec de la tempo early. Sachant que je crois qu'ils ont dû lui acheter un bat ou deux ou il a dû les trouver dans des huttes. Bah c'est très simple, à chaque fois qu'on joue contre cette cible on se fait raser. Donc, sachant je te qu'il prends, a fait... Je te prends 200 balles. Vas-y vas-y, il a fait deux projets de généraux en deux tours donc il a forcément de chop. Hein. Ah bah ouais, non mais il avait un bat de toute façon. Après j'ai pas bien joué hein, mais bon. Bon on peut cesser si vous voulez, là il y a les bon, corsaires de mer, les, les chiens de mer et tout. Si vous pensez que ça tient... GG. Oh. Bon bah même pour, même si ton front bah ça s'est dégringolé en rond en vrai la map en genre ouais, au global si abusé, on n'arrive pas quoi. Peut-être la draft hein. Bah je pense qu'il y en a un de nous trois qui doit sim mais moi je enfin
Je vois pas dans quel monde je peux sim. Quand t'es 33, j'ai toujours aucun hôtel. J'ai fait un projet de lieu 5 en 4 tours. J'ai fait général dans ma cave. J'ai double projet pour pas en avoir. Je vois. Enfin, je me dis que tu vois, avec mon spawn où j'ai zéro tempo, je prends énormément de pression early. Si j'ai un général, l'anglais, j'arrive avec mes varous, il peut rien faire en fait. Il est juste dead. Mon spawn il est pas très bien pour sim, comme tu dis. Le mien c'est pareil, en plus il y a le Vietnam. Il y avait Dido qui pouvait peut-être faire quelque chose, mais au final, le 1v2 sur un mer et le fait que XP il soit bien tranquille derrière, ça fait la différence dans la partie. Ah ouais, mais le truc, tu vois, c'est que si je réussis à avoir un général, il est pas du tout un V2, parce que l'anglais, sans général, je vois pas comment il tient. Les positions sur Londres, elles sont impossibles à défendre. Mm-hmm. Ah ouais, c'est quoi sur les généraux Elle call plus, hein. Vous avez pas parlé pendant 30 secondes, j'étais obligé de prendre une décision à votre place, les gars. Les généraux, le problème, c'est que moi, je me retrouve en moins 1 d'activité, je perds un tour sur mon projet et j'ai pas. C'est pareil, hein. Si j'ai pas de date, pas à moins 1, je l'ai un tour avant. Genre, je vois pas dans quel monde je peux placer un bat dans mon BO, en fait. On a eu beaucoup trop de dépenses early, en fait, ça nous a mis dans le sale, hein. On peut pas. Est-ce qu'on a eu comme dépenses early? Moi, des cases, j'ai pas de cases et j'ai acheté un slinger. J'ai acheté un slinger parce que j'ai un guerrier et 2 scouts dans mon land. On a acheté 2 scouts, 2 slingers. Oh, j'ai pas acheté 2 slingers. Tu l'as pas acheté, ok. J'ai acheté le premier, si, c'est vrai. Et j'ai build le deuxième dans Tarsus. Ouais, je l'ai acheté un slinger. Le gros problème, c'est les cases aussi. On a acheté tellement de cases, 2-2-2. Ouais. Bon, moi, je suis pas déçu de. De ce qu'on a fait, t'aurais dû prendre le général, ouais, mais bon. Voilà. On aurait dû prendre le push gagnant sur Londres. Bah, moi je pense qu'il y en a qu'un de vous deux qui doit go IMO. Hein. Le fait que vous alliez tous les deux IMO, ça vous baise aussi, parce que du coup on a pas assez de fer pour les deux. Bah, ça, le fer, non, ça allait. Non, le fer c'était ok. Non, le fer c'est pas un problème. Bah, c'est juste qu'il a DOF, moi, à partir du moment où il a DOF taxi. Plus 5, hein. C'est. Je peux plus push, quoi. Par contre, je vais être prêt en mid-game, mais le problème, c'est juste... que je sais pas, il y a eu une espèce de discussion, faut aller sur le Japon, du coup, je me suis mis en tunnel visuel. Ah non, c'est juste moi, j'ai dit j'allais envoyer des poneys sur le Japon, et t'as dit bonne idée, je vais le faire aussi. Bah, je me dis que si je le fais pas, s'il est free sim, en fait, je me dis juste qu'il gagne, quoi. Mais là, mes poneys, ils vont arriver, mais t'es mal le tour que j'ai dû faire au nord, là. Il y a 12 montagnes. C'est loin pour les chimiques, J'aurais dû aller night et me défendre sur des night, quoi, mais. Je m'attendais pas à une telle violence, en fait. Ouais, c'est violent, hein, les pages de Théodore. Hein. Je suis d'accord. Il y avait beaucoup, quoi. Ouais, bah, il y a énormément. Pour quelqu'un qui parle de ça, lieu 5 qui est en 60-100. Ça vous dit pas, on ne joue plus contre cette cible. Bah, ouais, c'est chaud. Sinon, on la pique au pire. Oh putain, allez, on y va. Chop dans ma cape avec Magnus. GG. Le fait que Disto ait pas de général, ça l'a vraiment shutdown très fort parce qu'il avait pas une grosse tempo de base. Ouais, quand on l'a vu en 8-18 là, tour 40. Ouais, GG le chat. Ouais. Fini pour ce soir, bah non, il est un peu tôt, on va faire un autre truc, je pense, on va se faire un petit Team Mercy FR si vous voulez. Game 3 un prochain jour, exactement. Fini pour le BO3 ce soir. Ouais, je suis un peu déçu, on va écouter des paroles au bénévrif. Merci Apsi, merci à vous tous. BDC, mais tu te compte qu'il y en a un qu'on n'aurait pas. Bah. Franchement, c'est pas nous-mêmes, donc. C'est juste. On savait pas, on avait pas touché, la jackal, on a pris quoi. Enfin, c'est un peu comme ça. Parce que nous, on voyait vraiment un shot, une game très très difficile pour Sunbro sur ce terrestre plus naval. Bah, moi, si j'ai un général, je vois pas comment il tient Londres avec les positions 1 sur Kata. Là, pour le coup, avec les chiens de merde, ça défend, mais avant. Mais ma tempo, c'est catastrophique. Dans ma cape, j'ai rien pu faire. Dis-toi, j'ai eu mon premier hôtel, t'es 33. Alors que j'ai juste fait double colon, lieu saint, monument. Mais juste j'ai pas de tempo quoi. On disait qu'avec le seul kill qui était possible, enfin qui était le plus facile à faire, c'était celui sur l'Angleterre et qu'en général ça t'aurait permis d'avoir de grandes chances de le passer. Et j'ai même dû projeter en 4 tours dans ma B2 pour avoir ma religion, pour avoir l'âge d'or, c'est... Je sais pas ce que... À part go full IRL général Varou sur l'autre à gauche, je vois pas vraiment ce que je peux faire dans cette game. Hein. Tu peux jouer une game très slow avec une ancestrale et essayer de
de profiter de que fait que personne te go et tu joues très très slow mais tu seras à l'event plus tard, tu vois. Non, je sers à rien en fait. Bah, sur chaque event, non, le temps que je sois à l'event, la game elle est finie. En aval, si je mets pas de la pression sur la Vicky, je suis d'accord. Après, tu peux mettre... elle va juste se faire rec sur le long terme en V2 Naval. Non, mais tu peux mettre de la pression, tu vois. Tu peux faire genre 4 Varus en général et. Ah, monotypico, bah ouais, attendez, je vais vous parler, j'écoute un peu. Et sans faire les 15 points de plus qui sont partis de côté. Ah bah en fait, de base, je pensais les envoyer chez le Japon derrière, sauf qu'il y a une chaîne de montagne de 15 cases, donc je suis obligé de faire tout le tour. Ouais, c'est ça. Mais t'avais un autre projet de game, après c'était pas forcément le meilleur plan, mais... Mais ouais, je vois pas comment tu veux que je scale alors que je suis en train de faire un projet 4 tours pour avoir mon âge d'or, tu vois. Ouais, parce qu'il a pas un land pour scale, il est parti campement. Pour moi, le scaling, à partir du moment où t'as posé un campement et que t'as pas un spot de fou, c'est mort quoi. Bah, le scaling, il s'est arrêté au moment où t'as slam ton campement cap en fait. Ah ouais, mais à quel moment tu slams pas un campement quand t'es à côté d'une Angleterre? Ah, mais je suis d'accord avec toi, je suis full d'accord avec toi. Oui. Mais moi, je me dis juste que si t'avais eu un général en termes de choix d'équipe, t'aurais eu un vrai shot pour détruire l'Angleterre. Ouais, je pense aussi. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à l'analyser comme ça justement durant la game parce qu'on a pris quand même une bonne minute pour savoir sur le tour etc. Mais bon bah on a... Ouais, j'étais en mode j'avais besoin d'un général, on disait qu'il avait besoin d'un général aussi, qu'il avait déjà 3 immo, j'ai dit bah prends tu vois, j'ai pas bataillé. Pour nous le plus facile à jouer sans général c'était la position de Rom-Rom. Ça allait pas être facile, tu vois, mais c'était défendable et ça vous ouvrait un vrai. Bah, je pense, vu que j'ai 5 tours sans alliance, de toute façon, à niveau, je me serais fait éclater sur alliance. Oh, t'avais 5 tours sans alliance. Mais j'ai dû attendre disto, quoi. T'as eu des bats dans des huttes LDK ou quoi? J'ai eu un bat que j'ai mis sur un B2. Ça pas profité fait... de la cap. T'as fait deux projets en un tour. Ouais, parce que j'ai prod un bat. On a eu un scrim comme ça il y a pas longtemps où je m'étais fait avoir et j'ai compris maintenant. Ah, mais tu prod comment ton bat? Après mon hôtel, et vu que j'ai pas besoin de faire de monuments, vu que j'ai chorale plus ma massive, bah en fait j'ai fait mon bat à ce moment-là. Ok, après les hôtels. Moi je te demande comment t'as fait, parce que moi j'ai fait, en fait, moi j'ai fait double colon, enfin j'ai fait un scout, double colon. Bon, allez, on va voir le disto débrief pendant 30 tours de comment on se rendre compte en fait qu'il avait moins de tempo et que c'est pour ça aussi qu'on a perdu. Et effectivement, Civilization c'est un jeu de RNG. C'est un jeu où on va avoir des différentiels au niveau des heals, des prods, etc. Et quand on joue des jeux très agressifs comme ça en early game, et bah ça se remarque. On va avoir des différentiels de tempo. Disto a pas mal joué cette game. C'est juste qu'on est parti en se disant qu'on allait réussir peut-être à deny du général. Et au final, on n'arrive pas à le deny de général. Et on a même la situation pire. C'est qu'il y a quelqu'un en face qui arrive à en récupérer un qu'on souhaitait. Donc forcément, à partir de là, dans la game, c'est pas bon. Moi, j'imaginais un petit peu plus... Comme Alexis en mode bah, il peut revenir peut-être un peu plus tard avec ville B4, B5 dans le land avec un chop tu sais de Magnus pour faire des unités. Brit initiatique, je sais pas s'il a pu le récupérer quelques lieux saints, quelques hôtels, quelques temples et après c'est parti au niveau de la prod. Mais je suis d'accord avec lui. Hein. S'il y a un général, bah ouais, il peut très bien mieux passer. Mais moi c'était aussi la situation de Ronron qui était parti immortel directement. Je me disais c'était spécial. Ah, mais le land il était très très mauvais. Donc c'est-à-dire que si tu peux faire, pas une ancestrale, hein, mais tu fais un trône, tu arrives à faire 4-5 villes, ça arrive à être quelque chose. Mais là, les deux expandes du nord et du sud, c'était comme les miennes, quoi. C'était de la merde. Comme la mienne. Convaincu de vos drafts, bah moi la draft, j'aime bien, en vrai. Dido double perse, on est contre des trucs un peu spécifiques du côté de Ronron ou de mon côté. Imagine s'il y avait eu quelque chose de plus de sim du côté de Ronron, ça aurait été catastrophique au niveau de son land parce qu'il se serait encore plus vite rasé. Et de mon côté, bah, si j'ai pas un genre de hybride militaire, un peu de science, un peu de stade, je peux pas faire grand chose non plus contre le Vietnam. Voilà. Moi je pense que j'ai fait une game normale. Je pense que Chuck et moi on a fait deux games normales. Un peu en 1v1 tous les deux, il y avait un 3v3 qui se passait. Alors du côté d'Aztec, je sais déjà qu'on est très content de la draft. Et du côté de Julius, est-ce que c'est ce que vous attendiez à affronter? Oui. Et de toute façon, quand on pique Dido double perse, on veut juste rajouter une ROM et être tranquille en fait au niveau du rompige gaming quoi. On sait pas que Japon Théodora en première rota, c'est un peu Japon, trop Théodora, Vietnam, il y a plein de trucs qui sont Chandra Dido, c'est bien aussi, tu vois.
C'est des cibles qui ont une très très bonne tempo et qui sont chouettes. Alors au Japon, je vois pas dans quel monde ça a une bonne tempo le Japon. Non, je disais, dis donc, c'est une très bonne tempo. Ah oui. Mais moi je me dis, tu vois, Japon, ça gagne un peu à coup sur le naval. Théodora, c'est une condition de late game qui est très forte. Si t'as un naval avec le Japon, quoi. Mais t'es sur une 7-6, on a qu'une cive naval, t'es pas sûr d'avoir un match-up. Mais vous voulez pas piquer une James naval d'ailleurs? Vous avez pas pensé à un moment? Bah, ah, on savait pas, voilà, une le deuxième. Le truc, c'est que pique une deuxième cive navale dans Vietnam Théodora. Ouais, j'avoue que. Et Japon, ça veut dire que t'as trois fronts perdants. Ouais, nous, on a la spique impériale, mais je sais pas. J'étais plus étonné de choisir 7-6 de votre part, Luis, plutôt que Island. Pour moi, vous aviez une line-up de jouer Island plutôt que 7-6 contre eux. Et pareil, je trouve que c'est dommage. En fait, moi j'étais. De base, on était plus parti pour jouer Island, et au moment où on s'est retrouvé entre 7-6 et Island, on s'est retrouvé à se dire bah, on a gagné nos dernières games sur 7-6, on n'a pas joué à Island depuis longtemps. Et j'étais pas très convaincu, mais du coup, on a choisi 7-6. Ok. Bon, ouais, on aime bien la map. C'est une bonne map. Je préfère Island. Pour être honnête, on s'attendait à 7-6. Hein, ah oui. Soir. Mais vous aussi, je pense. Pour être très honnête, on avait limite pas du tout préféré la draft sur Island. On pensait que ça allait être soit lac, soit. Ouais. Mais je crois qu'on aura même pas trop lac. Oh. Moi aussi, il y a beaucoup de maps que j'aime pas. Hein. C'est pas forcément. Ton bad pour gérer, au moins, j'ai que des maps que j'aime pas. Impossible, ça, vu l'early, il y a des unités partout, le doux c'est loin, Noé qui fasse ça, oui exactement, voilà, réponse de la part de Amosus à Armure, de Dwarf, ah bah oui, bah forcément l'ambiance est un petit peu bite de chien, là. D'accord avec vous? Non mais en early game c'est impossible d'aller envoyer la B3, et c'est impossible, je suis obligé de backlane dans de la merde, ah mais ça me tue ma game moi aussi. Tu spawn à l'autre bout? Moi j'aimais bien la première map, hein. Non, moi. Ah bah, il était au Toulouse, la première. C'était à côté, là. Ah, c'était au Toulouse. Vous avez remap la deuxième map, d'ailleurs, parce que. Bon. Ah oui. Je suis pas de B3, perso. J'ai, ouais, genre, ma position est godlike. J'étais en mode, bah, ouais. Je peux aller sur les deux navals. Mais j'ai pas de B3. Et le truc, c'est que quand on a regardé la situation globale des autres joueurs, c'était pas fou non plus, tu vois. Ok. La première était 100% win Ulysse, la deuxième était 100% win stake. Ouais. Ah ouais, oh, nous on avait trop peur la deuxième. On avait un bon récif. Oui. On avait des bons spawn forts, mais le placement, on a en Chandra, c'était tout le monde. Ouais, le Chandra au milieu, c'était dur. On avait pas vraiment de setup trade propre, donc on était pas sain, quoi. Ouais. Donc, nous, on était plutôt contents d'y arriver à part sur deuxième. Ouais, carrément. En fait, les spawns étaient incroyables. Celui de Sunborn était vraiment magnifique. Ah, ça, c'est du god spawn. Pas un split, par contre, hein. Ouais non, trois fois pas split hein. Ça, à un moment t'avais un split sur un cage mais qui était collé à la à Romram. Ah non, c'est map 2, t'as un split. Ouais, je l'ai pas vu mais c'est celle qu'on remap. Cette game là t'as un split, t'as juste à cette la 6 cases de la cape de Dido. C'est vrai qu'en vrai je suis nagé que long là. Non, c'était bien la Mosus, en vrai, au niveau des moves de guerre. Comme je jouais contre Chuck, je savais qu'il n'y avait pas un gros PC, donc du coup on a pu un peu jouer au jeu en même temps tous les deux. C'est ouais, t'as fait B4 aussi en plus. Moi j'avais peur que XP a failli faire l'amiral. Ouais, ouais. Et en fait, chiant, ouais, j'avais un tour, mais j'allais faire le Bearder, du coup je l'ai annulé. Ouais, j'avais regardé, je me disais que j'ai pas besoin de projeter. Peut-être un peu risqué, mais. Bah, ouais. C'était un peu risqué hein, parce que même il a mis un chop à la fin dedans. Sur le lobby. Ouais. Alors, je sais que j'ai le lobby aussi. Ça, genre, peut-être 10 de prod, quoi, pour que ça passe. Peut-être dû mettre un petit projet safe. On va regarder un peu leur tempo. Et Rambram, t'es pas loin de me prendre la BD. Hein. Ouais, j'ai vu quand j'ai bougé le guerrier, mais je. Il faut que du flirt pour faire ça, quoi. Tu peux pas. C'était terrible. C'était terrible. J'ai perdu mon color, les gars. J'avais deux. J'ai pas les first moves. Si je vais à droite avec le guerrier, je pense que. Après, c'est pas un mouvement naturel, tu vois, d'aller à droite. Mais oui. Après, j'aurais pu me dire, vu que tu m'as vu avec le bat, potentiellement. Mais je me dis pas, je me dis que vu que t'as l'info, tu vas pas envoyer ton colon par là, toi. Tu y allais un peu en mode bluff, quoi. Puis en vrai, heureusement, j'ai le bon réflexe avec mon bat de scout directement un peu au nord, là, avec le guerrier, parce que sinon, je pense que le colon, ouais, je le perds. Je pense que si je vois pas le bot, je vais à droite. Ouais, bah je pense que je perds ma ville. En fait, le truc, c'est que je vois pas tout de suite ta loyauté, et genre, je vois le Reima un point, je suis en mode,
oh bordel, puis je comprends que c'est toi, je suis en mode oh bordel. Il y a un scout niveau 1, j'avais trop peur du scout niveau 1 pour notre colline, tu vois, qui arrive dans le fog là. En mode j'attends le colon quoi, mais soit t'allais au nord, soit à droite. Un peu une chance sur deux quoi. Ah bah complètement. T'as fait qu'un seul scout, Roman ? En fait, je voulais faire la ville très vite parce que la B2 avait été assez forte et j'ai refait un scout après, je crois. Ou alors j'en ai eu un dans une hutte, je sais plus. Non, mais j'en ai acheté un. J'en avais deux au final. Moi, j'ai fait frondeur first, Chuck. Dans la B2. Oh, bien. J'ai vu, t'avais un guerrier, un scout. Je me suis dit, oh, bah, je vais les étirer parce que j'avais un troisième scout qui a essayé de passer au milieu. Putain. Ça a pas marché. Même pas pu avoir tir à l'arc. Ouais, j'ai vu que tu voulais que ça ah ouais. D'avoir, je me suis suicidé dans un guerrier, je crois. Ouais, c'était bien joué ça encore. Non, beaucoup de heals, hein, j'étais en train de regarder si le replay du côté du japonais en vrai. Soit... Il a mentionné le japonais, ça. Oh bah parce que c'est lui qui va être notre assurance fight game. Yes. Mais nous, on met un peu de temps à scouter ça. On met un peu de temps à scouter du fait qu'il est sur le même mercredi. Parce que, ouais, mais j'ai joué comme si c'était relié de toute façon. Ouais, mais je pense que c'est pas con, ouais. Donc. Il y avait presque lave avant. Et lui, il a pas eu un très très bon sim, je crois, de Tan. C'est pas terrible. Ce que je me rappelle, si. C'est clair. Bon, moi je vais vous laisser, Ulysse. Vas-y, moi aussi je vais. À la game 3. Merci pour la game, bonne soirée. C'est quand la game ? La game 3 ? Je sais pas, mais je crois que c'est pas demain et c'est pas samedi. Faut vous trouver des dispo d'ici dimanche, quoi. Dimanche ou lundi, en vrai. Je pense que lundi, on peut. Je pense que ça va être chaud. Faut vraiment qu'on joue avant dimanche. Ah, pourquoi ? On peut faire un 1v1 sinon. On n'est pas forcément là en début de semaine, c'est on envoie un gars. Ouais, il y a un autre BO3 à jouer anyway semaine prochaine, donc si on fait ouais, nous on n'assume pas 4 games en une semaine. Hein. Donc déjà là, on s'est arrangé pour jeudi parce que vous pouviez pas ce week-end, tu vois, donc faudrait que vous arrangiez pour ce week-end, ce serait bien. Mais c'est trop dur en fait, les dispos de BO3 comme ça, etc. C'est trop. Mais oui, c'est trop dur en fait à organiser. Surtout qu'en plus là, on nous a prévu genre mardi, donc tu peux pas organiser lundi pour le soir, c'était trop dur. Non, ça fait lundi, hein. Bah lundi on l'a su genre vers 18h, enfin on l'a su tard hein. Oui, je veux dire on aurait pu jouer mardi si vous étiez dispo. Bah non, tu peux pas jouer mardi en CWC. En BO3 tu peux. Parce que normalement c'était à partir de mercredi ils disaient. Jeudi mais c'était les poules ça. Quand il y avait qu'un match, il y a 3 matchs de la semaine, ils vont pas t'enlever 3 jours. Ouais. Bon on va GG. Bon vas-y on fait ça. Et on se retrouve avant la fin de la semaine du coup si j'ai bien compris. Lège ? Bah ouais. Inch'Allah. Tu viens demain ou pas ? Bah si j'ai bien compris, faites de la musique, etc. Ça me chauffe un peu moins en fait. Ok. De quoi demain ? De la musique ? Comme ça, faites de la musique. Bah demain on est le 21, c'est l'été, faites de la musique. C'est vrai que c'est la fête de la musique demain. Ah c'est bon. Vous deviez faire quoi demain ? Ça dépend en fait si je fais quelque chose le midi ou pas. Parce que si je fais quelque chose le midi avec ma copine, je viendrai pas le soir. Sinon je viendrai le soir. Ouais. Voilà, donc je vous dis dans l'après-midi. Bisous. Peut-être à demain. Oui, plus. Ciao. Bon, voilà. Et voilà. C'est la fin des haricots. La fin des haricots, c'est la première lose en CWC. C'est la deuxième lose en CWC. Contre Coq. Ouais, je suis pas trop déçu de la game, en vrai. Qu'est-ce qu'on peut vraiment bien faire sur cette itération de map? Je pense pas grand-chose. Du coup, même si on a ce push-là du côté de Chandragupta, je pense que ça clutch peut-être la ville, mais ça cloche pas beaucoup plus. Bonjour Azagi. Ça va bien ? Ça a donné quoi votre truc ? Bah, notre truc, on a cessé sur 50, mec. 50 ? Ouais. Je sais pas quoi te dire. On a eu plusieurs fronts, tous étaient perdants. Donc, il y a Théodora qui nous a kill. Ça te fait rire ou pas ? Comment ça ? Ah bah Théodora, tu sais, tu connais le Byzance ? mais comment ça qu'il y a kill ? Vous avez Chandra qui a pris croisade, non ? Il avait DOF Byzance. Ouais. Moi, j'ai une fièvre de bâtard, j'arrivais pas à jouer dans les games. J'aurais pas dû jouer. Bah après les chevaux que t'envoies, j'ai pas vu le play, mais si t'en envoies 15, c'est sûr que... Non, j'envoie 6. Ouais. Non mais même mes moves, tout, j'étais à 2 à l'heure, quoi. Enfin, tu sais, je sais pas, je pense que... Ouais, des games sans, ça arrive. T'as les mêmes heals que moi. Ouais. Moi j'ai beau réfléchir, je vois pas ce que je peux faire. Qu'est-ce que tu veux faire dans la situation ? On était sur la première map, c'était auto-win. La deuxième apparemment c'était contraire. Et là,
Nous, on trouvait que 7-6 c'était un peu gamble au final. Ouais, moi j'aime pas. Hein. Squadron d'avant. On est d'accord sur rien. Pour le coup, on était 3 d'accord pour jouer Island. Non, on était 3 d'accord pour jouer Island par rapport à Primordial. C'était oui. Ça. Oui, d'accord. Ne me dites pas, on était d'accord pour jouer Island over toute map, les gars. Non, mais moi j'étais chaud pour jouer Island over 7-6, hein, je l'ai dit. Hein. Bon, bah, peut-être vous, l'avez dit juste avant la game ou vous l'avez dit avant pour juste avant la game. Juste avant la game. Il faut pas faire ça avec nous, c'est nous on prévoit des trucs et on s'y tient un peu à l'avance, comme ça on n'arrive pas les... on n'arrive pas à savoir ce qu'on va faire, c'est mieux pour se mettre dans la game, pour prévoir le truc, on fonctionne bien comme ça. Moi j'aime bien notre draft en vrai, hein. Je trouve que notre draft elle est très très ok, surtout comment on joue sur une 7-6 généralement. Par contre je trouve qu'il y a des picks... Ça me choquait pas non plus la draft là. Il y a des picks qui sont... Peut-être le Japon qui me surprend un peu, mais le reste... Allez. Ça a donné quoi, Chandra? T'étais bien ou pas? Non, en fait, dis-toi déjà, Azagi, je sais pas ce qui s'est passé dans la game. J'ai pas de 3-1, ring 1, ni rien. J'ai des 2-2, et mon deuxième scout se fait en 3 tours. Je ne sais pas pourquoi. On est dans les vestiaires. On est dans les vestiaires. Je ne comprends pas. C'est la première fois qu'on met les vestiaires. Ça m'est arrivé une fois, mais pareil, je sais pas pourquoi. Merci, Suran. J'en ai aucune idée. Et derrière, bah, dis-toi que mon BO, ça a été donc scout, colon, et merci, monument. Et on va pouvoir tout vérifier. Et pas de bat derrière, j'ai rien pu faire d'autre, tu vois. Enfin... T'as fait le monument avant la HS ? Non, j'ai fait Holy Site et après j'ai fait monument. Et en fait, derrière, vu que j'ai anglais mine distance, vu que j'ai anglais pas loin, je slam un campement cap et je fais directement double projet dans la cap. Dans le campement, et j'ai pas de général. T'as fait un tour de diamant déjà. Ouais, le spawn. Non, j'ai pas fait de diamant. Ah là, tour 5, c'est marqué là. Plus 5, plus 8. Bah, j'ai pas de diamant. En fait, au début du tour, le diamant est sélectionné quand je passe à 2 de pop. Okay. Mais regarde le tour d'après, j'ai 20 gold. Oh ouais, 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 je viens de voir. Donc, je travaille pas le diamant. 8, 8, 7. Ça retravaille. Colon tour 10, ça m'a pas l'air. Ouais, ouais, parce que j'ai pas terminé le deuxième scout du coup, non, vu mais, que je faisais en 3 tours. Je me suis demandé si t'avais pas eu un bug, tu sais. Genre... Ouais, ouais. Je sais pas, je me sens un bug de BCY, genre pour BCY, il était pas actif sur tes caps. C'est l'impression que j'ai eu. BCY, c'est écrit quoi dans la description de la prod? C'est écrit ou pas BCY? Ou c'est écrit dans case exploitée? Vous savez? Et là, t'as fait tes deux monuments? Ça devrait... Ouais, j'ai fait deux monuments. Vu que c'est celle sous ton centre-ville, elle est comptée comme là-dedans. J'ai fait les deux monuments, et derrière, j'ai juste posé campement et double projet. Ah, mais t'as déjà tes lieux saints? Ah ouais, d'accord, ok. Pardon. Oh ouais, j'aurais fait pareil, là, dans la situation. Et voilà, et ma ligne, après quelques tas, j'imagine. Après tard, mais oui. Ouais, j'ai pris rite initiatique pour défendre mes lieux saints. Mais genre je vois pas en fait à quel moment je peux sortir un bat ou quoi que ce soit dans le BO. Mais en fait oui, si je sors le bat, j'ai pas le monument et... Mais est-ce que tu te rappelles, il y a 4 ans... Ouais, il a fait campement discount. Ouais, j'ai discount le campement dans la cape. En fait, comme on avait beaucoup de fronts, Azegi, on voulait avoir 3 généraux. Les deux perses et Chandra. Et deny un justement d'un des 3 mecs pour qu'on puisse mettre de la pression dessus. Sauf que de l'autre côté, il y a une Byzance qui a eu 3 bats avant le T30. Genre, il en a prod 2 et il en a eu un dans une. On a acheté des bats à l'époque avec 3 généraux. Exactement, c'est ce que j'avais dit. Je suis d'accord, mais là, dans ce game, il n'y a aucun monde où on peut acheter un bat. Ah, il n'y a aucun monde où on peut acheter un bat. Moi, j'ai travaillé des cases de merde pendant. On a tous fait campement avant gouffre, quoi. Bah ouais. Là, il y a un achat de frondeur, hein, pourtant. Genre en mode. Chez moi, ouais, parce que j'ai 2 unités et Non, du côté de Byzance. Regarde, là, je stream. Je suis en pub. Oui, ça, c'est un achat de fondeur, ça. Non, mais je stream sur... Sur Discord. Et comment les pubs, t'es pas sub? Apparemment, je suis plus sub. Et ça dégoûte que quelqu'un offre un sub à Distoria sur le chat. Merde. C'est parce que mon prime, c'était terminé. Bon, ne lui offrez plus rien. Voilà, 44 mois. Merci, mec. Ça fait 40 mois que je mets mon prime ici, donc c'est juste que je me rends pas forcément compte quand il se termine. Merci, en tout cas. Donc, là, le bat, il est là. Il vient d'où, ce bat? Ah, il vient de nulle part. Un bat fantôme. Bah oui, c'est un bat fantôme. Non, mais apparemment, il en a eu qu'un. C'est une lutte, le bat, là.
Bah, ouais. Il dit qu'il en a eu qu'un, mais dans sa B2. Là, moi, je voyais la taf. Alors, ça, c'est pas la B2, ouais. Peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils l'ont acheté, mais ils lui auraient acheté un frondeur et... Non, ils l'ont pas acheté, il a bougé direct, je crois. Ah non, peut-être. Et là, tu vois, je me prends déjà deux de prod dans la gueule par tout le monde, quoi. Alors que j'ai rien fait dans la game. Ouais, parce que t'as un start pourri, y'a rien sur ton start, c'est que les deux. Et dis-toi, j'ai pas eu de hut, hein. Du coup, tu verras, Zaggy, je me retrouve à faire un projet 4 tours dans ma B2 pour avoir l'âge d'or, pour avoir ma religion. Pas mal. Ah, c'était... Il est là, le deuxième bat. Et il sort d'où? Il l'a prod? Ouais, il l'a prod. De la BR. Ah oh, putain, mais la tempo qu'il a, il a forcément eu un point de pop ou quelque chose dans une hutte, non? Bah, regarde, il t'a fini un 3 avec des golds dessus. Ouais, exactement. Et ouais, c'est vrai qu'il a une banane aussi, lui. 3-1. Il a 3-1, 3-2. Ouais, les petits de toute façon, c'est ce que je disais au chat. Pour lisser la RNG, c'est pas sur une gamme de 50 tours où on va voir justement un lissage de spawn, etc. important. Là, on a joué tous sur 4 ou 5 villes. Enfin, 7, 6 des 8 joueurs ont joué sur 4 villes. Il y a une différence de spawn, effectivement, ça va se sentir. Bah, moi, j'ai un bon spawn, hein, je me plains pas. Hein. Franchement. Pour moi, si tu veux lisser la RNG, t'enlèves toutes les cases à 5 kills de des 3 premiers rings. Non, mais bon. Mais bon, après, tu perds de la saveur du jeu, tu bien vois. Bien sûr, exactement. La RNG fait partie du jeu. C'est pour ça que c'est pas un jeu compétitif. De qui est LDK? Ouais, ouais. Il l'a posé B2, j'imagine. Oh, bah oui, comme nous tous. Ouais, il y a Shinguetti aussi. Ouais, mais ça joue pas, ça. Tu peux voir leur lead l'anglais, parce qu'il avait une sacrée tempo aussi. Il a posé B4 hyper vite, ouais, j'ai trouvé. Il a une banane cap. Ouais, voilà. Deux banane cap. Et une poisson récif. Voilà. Voilà. De banane cap, un petit poisson récif garanti. Et ouais, et le Japon, il a... Une colline, ça. Ouais, c'est ouais. Là, c'est une colline. Ouais. Banane 3-2. Une et colline, tu regardes chez le... Chez le Japon, t'as... Je crois que c'est sa B4 qui a double fourrure de 3, là, à côté du scout, ouais. T'as ça? Sur le Japon, Inland. Mais du coup, votre truc sur les généraux, là, ça donnait quoi? C'est l'histoire qu'on a pas eu? Bah, je l'ai laissé à Ronron. Ok. Mais au final, on aurait pas dû faire ça, parce que Londres... Le tour où j'ai deux Kata et des Varou, c'est fini. Hein. Fais voir sur Londres à quel tour t'arrives. Bah du coup j'arrive genre tour 36. Et je lui tue un poney en plus direct. Hein. Si tu veux... 41. Si tu montes l'âge là. 41, ouais bah j'arrive vraiment tard hein, vu que j'ai pas de tempo, que j'ai pas de général, je perds un PM. Et là, tu vois, le tour d'après, je le bait avec mon guerrier, je lui tue le poney là, qui tue mon guerrier. Là, il t'a laissé les cases, mais après, tu peux plus faire. Bah là, vu que j'ai pas de général, je peux plus rien faire, tu vois. Mais si j'ai un général, bah quand les katas elles arrivent, Londres, j'ai 4 cases pour taper avec les katas, c'est finito. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais bah, c'est finito, après, il sort des caravelles, il reprend la ville, non? Bah ouais mais bon quand tu perds ta cape, tu perds ta gouve, et il y a Dido en face de lui en aval, tu vois, s'il commence à perdre sa cape il a plus qu'une ville sur la côte, hein. Je vois pas à quel moment il fait des caravelles. Hein. De toute façon je pense qu'Enuet on aurait quand même eu un problème, c'est le Japon qui aurait bah ouais mais du coup tu vois le Japon il aurait pas été aussi free, tu vois, parce que là la Dido... Il aurait pas eu de partenaire de trade... C'est ça, là, tu vois, là, il se retrouve... Il tradait peut-être avec Byzance. Là, il se retrouve avec un Anglais qui a des caravelles et des corsaires en face de lui, là, Dido, tandis que si je prends sa cape, il a jamais des corsaires et des caravelles. Hein. Et je pense qu'il y a... Un retard sur le général, c'est du fait qu'on est vraiment pas dessous. C'est qu'à un moment donné, il y a un guerrier, un scout sur ma ville, et je sais qu'il y a un autre scout en dessous. Donc si potentiellement, l'autre scout arrive, ma ville est en danger, donc je suis obligé de prendre un IMO pour augmenter ma def de ville avant de faire le projet. Donc ça me retarde. Là, ouais. À ce moment-là, j'avais croisé un scout. Bah ça change rien, tu vois. Si t'as ton projet plus tôt, j'ai quand même pas de général au final. Ouais. Ouais, je veux dire, on n'aurait pas eu ces questions, ce serait pas posé au final, tu vois. Si c'est une ville avant toi, deux tours avant, je l'aurais pris anyway, tu vois. Alors que ça aurait pas été le bon choix au final. Parce que le seul truc qu'on a vraiment merdé dans cette game, c'est que, bah, dis-toi pas de général. C'est ça, c'est la prise de général. On a merdé sinon... plein d'autres trucs, je vous assure. Bah, désolé, mais en termes global, nous, enfin, j'ai l'impression que... Enfin, qu'est-ce qu'on... Ouais, vos générales, en soi, ils ont pas vraiment servi, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus?
même si t'as merdé, etc. Tu penses vraiment que si t'avais play perfect, t'aurais... Bah, je serais pas mort. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Ah, voilà. Donc, du coup... Mais écoute, vous êtes tous partis sur campement, campus et personne à scale, quoi. En fait, on peut pas jouer sans scale, en fait, aussi, tu vois. Mine de rien, il faut que quelqu'un scale, je sais pas qui, mais on peut pas... Ah, il y avait personne qui pouvait, là, dans la situation. Oui, mais oui, ils ont quelqu'un qui peut et pas nous, c'est pas... On peut pas faire comme ça, sinon, à moins de raser tout le monde, on peut pas raser des cibles que de... Non, mais je suis d'accord, mais c'est quoi la conclusion derrière? Parce que je vois pas, en fait, le... Bah, pour moi, notre seul out sur cette map, c'est si je réussis à prendre la cape de l'Angleterre, Dido peut prendre sa deuxième ville costale limite sur des birèmes, et moi je derrière, bah en fait je pense qu'on peut limite le full kill en terrestre, tu vois, et voilà. Ça fait que derrière je suis chez le Japon et que Dido va être sur le Japon vrai. Aussi pour moi c'est le seul out qu'on a sur cette map. Sur cette map je suis d'accord, je vois pas quel out on peut avoir dans un match-up entre Perse et Theodora ou entre Perse et Vietnam, et c'est pour ça que moi dans vos doubles Perse avec du recul je pense qu'il y en a un des deux qui doit juste stall. Bah moi j'ai juste stall. Bah moi j'ai joué pour stall au final, hein, et je suis mort. Ouais mais tu vois quand tu poses le campement cap avant ta place de la gouve, en théorie c'est pas pour stall. Mais tu vois comment, ce que je veux dire. Comment, comment je défends un plus 10 quel plus 10? Bah parce que j'ai dû attendre 5 tours que quelqu'un puisse me donner les alliances. Donc je peux supprimer les alliances, donc si j'ai pas de général, ça fait général plus alliance plus taxi, c'est plus 12. Parce que... Je me compte sur alliance si j'ai pas de général. Tu faisais quoi? Tu faisais l'alliance avec Disto? Ouais. T'as pris Coral ou pas, Disto? Bah, non, je vois pas dans quel monde je peux prendre Coral. Hein. La Byzance, elle a eu son. Ouais. Tu sais, la Byzance, elle a des points de prophète direct. Hein. Il a fait en plus double hôtel, le mec. Ouais, il a pris haut sur Chandra, ça, ouais. Bon, on se mange 5 tours sur Alliance, c'est dur. Mais, hein. il a pris DOF. Ouais. Ouais, pour être safe, et puis après, il a. Mais gros, c'est quoi ça? Pourquoi il prend DOF? Bah, s'il prend pas DOF, je push. Hein. Mais tu passes? Sans DOF, je sais pas. Mais moi, je fais plus d'unit, quoi. Pourquoi on n'a pas fait l'alliance militaire avec Rom et Disto avec Mimi? Parce qu'on s'imaginait que ça allait être important, le late game, pour pouvoir trade efficacement. Mais on aurait dû faire l'alliance avec Rom au final. Là, ça n'a rien changé parce que j'avais le général, donc anyway, je pouvais tenir. Mais si j'ai pas le général que ça change. Bon. Bah, si j'ai pas le général, il voit qu'il a plus de 12, il va attaquer. Non, mais sinon, juste il aurait juste fallu que Mimi prenne la militaire avec toi, quoi. Ouais, il aurait fallu changer les alliances. Mais ça fait que Lej en a pas, du coup. Ouais, c'est Lej qui en a pas, du coup. Ah, moi, je vois pas. En fait, je vois pas. Ouais, c'était urgent, je crois, chez toi, Lej. Ah, moi, il fallait, oui. Moi, je me fais déjà trade depuis 3-4 tours. Je sais pas comment je peux avoir alliance plus vite, hein. J'ai pas été fait haut, j'ai même pillé la place du théâtre de Kaguana. Le seul détour que j'ai fait, c'est les temples. Et quoi, en gouverneur, t'as fait Mokshine to Magnus? Ouais. Ok. J'ai fait Mokshine to Magnus et 4 monuments. T'as fait un fake push, j'ai l'impression, non? Je sais pas. Moi? Ouais, c'est un peu un fake push qu'il a fait, je sais pas. Bon, après, il y a des herbes à fond level 2. Il fout 4 herbes à fond devant toi, il avance, il tape, il recule. On s'est un peu trade, et tour 44, là, il y a les herbes à fond, et ça commence à tout me trade. Et donc, T'as beaucoup d'unit, tu sais. T'as un Victor? Ouais, j'ai un Victor, mec. Et déjà deux. Moi. Attends, ah ouais. tu crois quoi? Bah oui. Enfin, je me fais trade par des armes à fond, ils sont déjà niveau 1. Et mais je sais très bien, Azagi, toi t'aurais... Et je me suis dit à un moment, t'aurais défendu avec moi, mais... J'ai pas perdu hein, grand-chose. Je trouve bizarre la compo d'unit. J'ai l'impression qu'il te manque d'arba et que t'as fait trop pas de knight. Des knights c'est pratique pour défendre ces trucs, mais surtout que sur des marais, du plat là sur quoi il te tapait. Ah tu préfères. Pas défensif. Ah j'ai fait des imos. Tu préfères la mobilité. Ouais les imos, j'imagine que si t'as fait les imos c'est pour laisser tous les poneys à distor pour le hit. Waouh. Sinon je comprends vraiment pas les imos. Ah bon? J'en ai vu chez Ronron et chez toi. Ah moi j'ai trouvé ça bien, j'ai pu trade des trucs au début de game et tout, j'ai mis de la pression. C'est les seuls moments où j'étais un peu en trade positif. En mode. Bah, tu prends rien là. Là, t'as des imos qui sont devant chez lui. Non, là, j'ai tué deux archers, un cheval, enfin. Il s'est passé des petites choses. Et il a up directement. On est que 43, hein. C'est deux tours après qu'il y ait le push de Disto. Ouais, c'était de la merde les imos parce que si je tape en fait en fin de tour, bah, il peut me taper en last move, ce qui fait que je suis pas retranché. Donc je peux pas taper. Mais je suis d'accord avec toi, excuse-moi. Les imos, c'est bien quand tu joues après. Parce que le mec peut pas te trade back non retranché, tu peux shift enter back. Moi si je tape,
Bah je suis plus retranché et du coup je me fais éclater quoi. Bah tu peux te retrancher en début de tour non? Bah il va peut-être me taper après mon tour. Ah, il tape après mon tour, c'est... Ouais, tu... En fait, lui il a retranché. Ah, bah non, au début de tour non. J'aurais peut-être dû en faire moins, mais je pense qu'on aurait même pas eu les goals parce que j'ai commencé en fait. Je vais être franc avec toi, Zeggy, je voulais faire des knights et j'ai commencé à vouloir prébuild des chars lourds, mais on n'avait pas beaucoup d'argent en fait. Et j'étais là. J'ai pris Dim. Ouais. J'ai pris Dim, mais juste, tu vois, j'ai fait 500 balles en mid-game parce que j'ai pillé des cases sur des CS quoi. Sur Ayutthaya et Kaguana, c'est tout, mais sinon. C'est pas si riche que ça en façon plus. Hein. Non, mais ils sont. Ah, mais je pense que c'est pas une draft qui fait beaucoup d'or. Hein. Ils sont plus irréal goal que vous, normalement, sur le papier. Ah, sur et papier, ouais, comme, oui. comme on dit dans le chat, qu'est-ce qu'on pense de Théodora Chandra, première rota, et Sivnaval, deuxième rota, parce qu'il en reste toujours. Ah, vous voulez prendre Chandra plus Théo? Non, c'est quelqu'un qui a proposé ça dans le chat. Ouais, ouais, okay. C'est pas. C'est dur, ouais. C'est bon, on se retrouve c'est sur un bon combo, combo, mais. Bah voilà, exactement, c'est un bon combo, mais. Mais voilà. Faut suivre les goals, quoi. Parce qu'en vrai, une Dido, on a trouvé ça bien, Dido Chandra, on a trouvé ça équilibré. Pour ce qu'on voulait dans le début de rotation. Et c'est pertinent, on aurait pu très bien prendre une Angleterre, ça aurait fait la même chose, quoi. J'aurais plus vu comme ça un setup de gros trade pour nous. Tu vois, laissé Japon, on tenterait d'un bon truc d'à côté. Quoi. En fait, ils ont pick, ils ont fait Japon, into Theodora, into Vietnam. Ouais, et ça, c'est trop. C'est compliqué, tu vois, de pick une deuxième Civ Naval dans Theodora, Japon, Vietnam. C'est et je pense trois match-up perdants pour une Civ Naval. Je pense que le Vietnam, on aurait quand même dû le battre. Ah, mais c'est ce que je veux dire, c'est prévoir à la draft de trade Japon contre quelque chose de plus fort. Je pense que la deuxième rotation. Bah nous en fait, je sais pas si tu te rappelles, quand on avait joué c'était contre Frérito je crois, on en était arrivé à la conclusion que ça nous saoulait de faire speak Japon, parce que la Civ avait pas de tempo, que si tu te retrouvais en... Ouais mais je me suis ravi de cette opinion, il y a un moment quand on parlait de ça, j'ai retraillé un peu Japon, et en fait non, c'est juste qu'on se fait des idées, parce que la Civ a pas une tempo explosive comme ce qu'on trouve d'habitude bah, en fait, au-dessus de Varpota. Mais... C'est comme d'hab, le Japon c'est comme d'hab, c'est est-ce que t'as O12B2, O12B3, est-ce que t'as des poissons si t'as pas d'eau douce. T'as des fois des cartes navales qui se mettent bien, il y a des fois des cartes navales qui se mettent mieux que d'autres. Ouais mais par exemple tu vois une Dido va mieux s'adapter à des villes, à des spawns qui vont pas avoir d'eau douce et moins de poissons qu'un Japon. Parce que tu vas avoir ton port discount et compagnie, et tu vas avoir une route gratuite. Là où le Japon, bah, nous on en était arrivé à la conclusion que bah, c'est bien quand t'as un fight. Exactement, Firespace. Moi pour moi, c'est une très bonne cible sur toutes les maps terrestres. On l'a joué avec Sandro, on l'a montré, etc. Mais... Bah, les gens, ils ont du mal à accepter, en fait, le power pick de certains picks. Le power, voilà. Ouais, bah, il y a beaucoup de ça, je vois bien, mais... Pour moi, la différence de tempo en early, c'est pour Didon, ça c'est sûr, mais au bout du mid-game, début de late-game, ça se rattrape, je pense. C'est pas si élevé comme différence. C'était quoi, déjà, notre dernier ban? C'était Espagne. Peut-être on en ban aucun des deux et c'est nous on pick Spain, mais on aime pas Spain. Ils l'auraient force pick pour prendre Théodora derrière, non? Il y en aurait eu Japon par contre. Bah on aurait pu pick Théodora. Dans Espagne. Oh, on aurait pu, hein, mais... Le ban Brésil, c'était deuxième rota qu'on a fait. Mais oui, on aurait pu ban Vietnam à la place du Brésil. Mais Malm était pas là, donc... Non, mais on sait que Chuck joue le Vietnam. Y a pas on sait que Chuck joue le Vietnam. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que t'as déjà entendu Chuck dire qu'il aimait jouer le Vietnam? Oh bah oui. Bah, Chuck, ça fait très longtemps qu'il le joue le Vietnam. Je me rappelle d'une game de Barking Bang où je suis d'accord. À Japon contre son Vietnam. Pour moi, il le joue, mais il aime pas le jouer. Bah, il a joué chez nous, on le sait qu'il aime le jouer. Ok. Bah, la question, c'est pas s'il aime le jouer, c'est s'il le joue bien ou pas, surtout. Ouais, là, j'ai pas l'impression que le front se soit
plus mal passé d'un côté que de l'autre entre le Vietnam et la Perse. J'aurais pas fait le même choix du tout, mais au final ça allait. De quoi ? Tu parlais de moi ? J'ai dit le front s'est pas mal passé pour toi ou pour le Vietnam, j'ai l'impression. C'était assez even, mais j'aurais pas fait le même choix du tout. Ouais, je comprends. J'aurais pas fait le Pingala, j'aurais fait deux campus, into, peut-être campement ou juste Platco et ensuite First Family comme un DGN. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense de reban Théodora dans les pré-ban de map ? Si on veut pas la pique. Pourquoi pas ? Il faut qu'on réfléchisse à Théodora, Espagne. C'est deux piques importants en pré-ban. Moi, je pense que ça mérite bien. On a toujours l'Australie aussi qu'on pré-ban. C'est trop piques. Après, là, c'est faut peut-être tourner. Pas très malin de discuter de toutes nos pensées mais... de drop. Pensées. C'est évidemment pas très malin, mais au moins, bon. Ça ne fait que renforcer un goût de bonheur après une victoire, peut-être. Une prochaine victoire. Après, tu sais, on parle comme ça. Ça se trouve, demain, je changerai d'avis tellement... Exactement, nous, exactement. Ouais, je dis que je vais piquer Allemagne depuis je sais pas combien de temps et personne me l'a jamais banni, hein. y a pas de risque, hein. Inquiétez pas. Les secrets OP sont encore dans le sac. Putain, on aurait dû piquer Ottoman. Ah bah clairement. On aurait dû piquer Ottoman en dernier, putain.